soir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis, 18h-19h, votre heure de jazz sur les 103.1 d'RVL. En cette veille de Noël, que je vous souhaite joyeuse, on va évoquer justement un petit peu Noël au cours de ce programme. Et on va commencer tout de suite par un des plus grands crooners et un des plus grands jazzmen de l'histoire, j'ai nommé Monsieur Nat King Cole. On va l'écouter dans une session qu'il avait enregistrée pour Capitol le 14 juin 1946. Il préparait ses cadeaux de Noël à l'avance. On le retrouve avec Oscar Moore à la guitare, Johnny Miller à la contrebasse pour nous interpréter justement cette belle chanson de Mel Tormé qu'il avait composée intitulée « The Christmas Song ». Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeers really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Raconté par Mel Tormé avec ce très beau titre de Christmas Song qu'il avait enregistré pour Capitol le 14 juin 1946 avec Oscar Moore à la guitare qu'on a entendu dans ce morceau et Johnny Miller à la contrebasse. Derrière cela, on va passer pour notre page blues sur le côté gospel avec Dinah Washington qui nous prouve ici qu'elle avait et aussi chanté dans les églises au tout début dans sa jeunesse. Et là, je vous propose de la retrouver dans une session qu'elle avait enregistrée pour Mercury avec lequel elle enregistrait abondamment le 10 août 1953 à Chicago. Elle nous chante une belle interprétation de ce thème de Albert L. Amott qui s'intitule The Lord's Prayer. Dinah Washington. Which time?
De Dinah Washington qui nous prouve ici exactement qu'elle avait bien écouté les leçons de sa maman parce qu'elle avait chanté dans les églises et elle avait encore donc le talent avec cette interprétation de The Lord Prayer qui est un magnifique gospel d'Albert L. Mallott et qu'elle avait enregistré pour Mercury à Chicago le 10 août 1953 avec cette voix vraiment sublime et elle nous prouvait encore qu'elle avait énormément de talent. L'hommage de ce soir, c'est un clarinettiste qui est hors de commun aussi, puisque ça a été certainement le seul clarinettiste bebop au début du bebop. Il s'agit de Buddy DeFranco, qui sera eu le 24 décembre 2014. Alors là, il a été clarinettiste, il était aussi arrangeur, chef d'orchestre. C'est son père pianiste qui lui avait fait étudier la clarinette, la flûte et le hautbois, quelques instruments avec lesquels il excellait. Il se fait remarquer dans un concours amateur. C'est Tommy Dorsey qui le remarque et qui lui permet d'être engagé en 1941 par Gene Krupa et de rentrer dans sa grande formation. Jusqu'en 1942 et en 1943, eh bien, il glisse chez Charlie Barnett et jusqu'en 1944, là, il retrouve Tommy Dorsey jusqu'en 1946. Ensuite, eh bien, il rentre dans le sextet de Count Basie entre 1950 et 1951. Donc un bon socle de carrière et là il forme sa propre formation avec entre deux et bien la direction du Glenn Miller Orchestra entre 1966 et 1974 musicien accompli donc que je vous le disais et puis musicien qui avait le plaisir de jouer pour jouer tout simplement qu'il soit en leader ou qu'il soit accompagnateur. Je vous propose de le retrouver cette fois-ci en leader avec un tiré d'un album qui s'intitule Cooking the Blues qu'il avait enregistré le 26 août 1955 pour la marque Verve, et on le retrouve avec notamment Sonny Clark, le très bon pianiste, et Tal Farlow à la guitare. Il nous interprète Indian Summer. Thank you.
écouter Jazzomania sur RVL. On vient d'entendre et rendre hommage à Buddy DeFranco, disparu le 24 décembre 2014, et vient de nous interpréter ce Indian Summer, composition de Victor Herbert et Al Dubin, pour le label Verve. Il l'avait enregistré à Los Angeles le 26 août 1955. Comme je vous l'avais dit, eh bien, il laissait la place à ses co-leaders. Là, c'était le cas avec Sonny Clarke au piano, Tal Farlow, qu'on a entendu abondamment à la guitare. C'était Eugene Wright qui était à la contrebasse et Bobby White qui était à la batterie pour l'accompagner dans ce Indian Summer. On va continuer, eh bien, puisque cette veille de Noël, eh bien, il ne faut pas oublier, eh bien sûr, le label Blue Note. On fête ses 80 ans. On les a fêtés pratiquement toutes ces dernières semaines, depuis quelques mois. Et là, on va retrouver le label Blue Note dans un contexte un petit peu particulier. J'ai tiré deux thèmes composés par John Lennon et Paul McCartney. Oui, les Beatles, ils ont été repris par des artistes de Blue Note, comme c'est le cas ici avec Tony Williams, le batteur, qui va emmener sa mini-formation avec Billy Pierce au sax ténor, Mulgrey Müller au piano, Ira Coleman à la contrebasse et Tony Williams, bien sûr, est au drums, alors que c'est Wallace Roney qui est à la trompette. Il avait réuni au Power Station de New York City le 29 novembre 1991 pour un album qui s'intitulait The Story of Neptune. Il avait décidé d'adapter un des thèmes composés par les deux génies, on va dire, de la musique moderne, John Lennon et Paul McCartney. Il nous interprète magnifiquement, à sa manière bien sûr, Blackbird, Tony Williams.
belle adaptation de Blackburn composée par John Lennon et Paul McCartney, par Tony Williams, qu'il avait enregistrée pour Blue Note, à laquelle eh bien, on fête les 80 ans cette année, avec une très belle formation, enregistrée le 29 novembre 1991 au Power Station à New York City. Il avait enregistré ce disque qui s'intitulait The Story of Neptune, que vous pouvez toujours trouver chez Blue Note. Donc Wallace Roney était à la trompette, Billy Pierce était au sax soprano et au sax ténor, Mulgrey Miller était au piano, que du beau monde, et Harry Coleman, on le présente plus, était à la contrebasse, et bien sûr le chef Tony Williams tenait les baguettes dans ce morceau. Ah, une version cette fois-ci chantée d'un thème de John Lennon et Paul McCartney, toujours pour le label Blue Note, avec la chanteuse Holly Cool. On va la retrouver avec, là aussi, eh bien, des musiciens de talent, et on va retrouver notamment Ira Coleman à la contrebasse, Aaron Davis au piano, pour accompagner Holly Cool. Cette fois-ci, le thème de John Lennon et de Paul McCartney s'intitule « I've just seen a face ». Holly Cool. Seen a face, I can't forget the time, a place where we just met. He's just a boy for me, and I want all the world to see we met. Hey, had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of him tonight. Like of this, I've been alone, and I have missed things and kept out of sight. For other boys were never quite like this. Hey. Calling me back again. Oh, I am falling.
belle voix d'Holly Cool, nous interprétons ce thème des Beatles, I've Just Seen a Face, composition de John Lennon et Paul McCartney, qu'elle avait enregistré au Power Station, et elle aussi, à New York, le 9 avril 1996, pour la marque Blue Note, bien sûr, tirée d'un album qui s'intitulait Bud Belden Present Strawberry Fields. Il y avait avec Holly Cool et bien Aaron Davis au piano, Kevin Bright et Frank Hackey étaient à la guitare, et Harry Coleman donc à la contrebasse, et Billy Kilson était à la batterie. Tiens, revenons sur ce thème qu'on a écouté en début d'émission, interprété par Nat King Cole, et cette fois-ci, elle est interprétée d'une manière, on va dire, instrumentale, par Jimmy Smith. Et oui, lui aussi, il a joué ce célèbre thème de Mel Torme et Robert Wells, The Christmas Song. Il l'a enregistré pour le label Verve, le 29 septembre 1964, avec 19 musiciens. Eh oui, 19 musiciens. Parmi eux, eh bien, on retrouve le guitariste Kenny Burrell et le batteur Grady Tate. Enregistré dans les studios de Roddy Van Gelder, donc on va écouter ce Christmas song à la manière de Jimmy Smith. We'll be right back.
Vous écoutez Jazzomania grâce à Jimmy Smith, et bien on vient d'entendre le son des cloches. Et le son des cloches, vous les entendrez bien sûr à minuit pour cette fête de Noël, lequel eh bien on rend hommage puisqu'on vient d'écouter cette belle composition de Mel Torme et Robert Wells, de Christmas Song, qu'il avait enregistré dans les studios de Rudy Van Gelder à sa demande pour les disques Verve. C'était inhabituel parce que Rudy Van Gelder était dévoué à la note, à la marque Blue Note. L'album s'intitulait Christmas 64. Il l'avait enregistré donc le 29 septembre 1964. Et une jolie, on va dire, une jolie brochette de musiciens. Il y avait Ernie Royal, il y avait Joey Wilder qui était aux trompettes, Joe Newman était au bugle, Jimmy Cleveland au trombone parmi eux, et puis il y avait également Kelly Burrell, comme je vous le disais, à la guitare, Art Davis à la contrebasse et Greedy Tate au drums pour accompagner, bien sûr, magnifiquement Jimmy Smith dans un écrin de 19 musiciens. On continue avec ce joli thème de Christmas Song en ce 24 décembre. C'est bien normal que l'on fête aussi Noël dans Jazzomania. Et on va retrouver une actrice chanteuse, meneuse de revue, elle savait tout faire, Doris Day, qui nous a quittés il y a quelques mois déjà. Eh bien, ça va nous donner l'occasion du rendre hommage et de l'écouter dans une adaptation qu'elle a fait de ce thème de Mel Torme et Robert Wells, qu'on retrouve ce Christmas Song qu'elle avait enregistré, elle, pour le mal, le label Columbia à Hollywood le 29 août 1946. Et on va retrouver là aussi quelques musiciens de la côte ouest à l'époque qui n'étaient pas encore aussi développés, mais il y avait quand même de très très bons musiciens qui avaient été sélectionnés par Ben Homer, qui était l'arrangeur de Doris Day. Les Brown est à la tête de cette formation et on l'écoute, The Christmas Song par Doris Day. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by the choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny little tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. Every mother's child is gonna spy to see if reindeers really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Merry Christmas. Le
La très belle voix de Doris Day nous interprétant ce Christmas Song, composition de Mel Torme et Robert Wells, qu'elle avait enregistré pour le label Columbia, avec lequel elle a abondamment enregistré. À Hollywood, c'était le 29 août 1946, et l'orchestre était emmené par un fameux chef d'orchestre de cette époque, qui faisait également du jazz et de la variété. Il s'agit de Les Brown, et il y avait là aussi une bonne vingtaine de musiciens. Parmi eux, il y avait le saxophoniste ténor Ted Nash, qui s'illustrera dans le jazz West Coast. Ah, on va aborder maintenant nos coups de cœur de ce mois de décembre. Ils sont toujours là, bien en place. Et on va retrouver tout d'abord un guitariste français qui fait honneur à ses inspirateurs, qui étaient par exemple John Reinhardt, Wes Montgomery ou encore Joe Pass. Eh bien, Hugo Lippi vient de sortir un album qui s'intitule Comfort Zone. Oui, une zone de confort, mais il réussit par son doigté si particulier à nous rendre un album plus qu'excellent. Il l'avait enregistré, il a mis les moyens, il l'avait enregistré au Samurai Studio à l'Astoria à New York, et le 19 avril 2018, il rencontrait Fred Nardin au piano, Ben Wolf à la contrebasse et Donald Edwards à la batterie. Il nous interprète donc plusieurs thèmes dans ce joli coffret. Le premier, eh bien, on l'a écouté la semaine dernière, oui. Et puis, on va écouter cette fois-ci un thème qui est de sa composition. Hugo Lippi a signalé d'ailleurs que cet album est dédié à Marcel Azola. Et oui, Hugo Lippi a une bonne mémoire. Et là, on va donc écouter une composition d'Hugo Lippi qui s'intitule Letter to G. Hugo Lippi. Premier coup de cœur avec Hugo Lippi, et Hugo Lippi qui joue pratiquement là, et bien il joue seul, alors qu'il avait invité Fred Nardin au piano, Ben Wolf à la contrebasse et Daniel Edwards à la batterie, qu'on entend dans les autres thèmes. Il l'a enregistré au Samurai Studio à Astoria, à New York, le 19 avril 2018. L'album s'intitule Comfort Zone. Il est paru chez Gaia Music et c'est un album que vous pouvez vous procurer facilement. Tous les thèmes qui sont abordés par Hugo Lippi sont de la même veine, c'est-à-dire avec beaucoup de sensibilité, aussi un doigté à toute épreuve, aussi bien dans les thèmes qui sont un petit peu des thèmes balades. Et là, on vient d'entendre, Joe Pass a dû être écouté par Hugo Lippi, mais bon, il est inspiré du maître sans, bien sûr, le copier. Et c'est là tout l'exploit pendant tout ce CD. C'est un petit peu la même chose. Il y a d'autres thèmes, par exemple, des compositions de Chick Corea, et Hugo Lippi est respectueux des créateurs, mais s'en inspire sans les copier. On va continuer et retrouver, avec notre deuxième coup de cœur,
Paul Joss, c'est une belle découverte. Il en est quand même à quelques albums. Il a enregistré déjà pas mal de thèmes. C'est un batteur, c'est un guitariste, c'est aussi un harmoniciste. Il sait tout faire. Et là, tout à l'heure, on a écouté un thème interprété par Tony Williams, sa petite formation, un thème de John Lennon et Paul McCartney. Eh bien, je vous propose de réécouter à nouveau ce thème à la manière de Paul Joss, qui est vraiment un scatter hors pair. L'album est sorti, il s'intitule tout simplement Simple Life. Il est sorti sous le label Jamming Colors. Et je pense qu'il avait sa place comme coup de cœur. Il a été enregistré au Traline 8 Studio à Paramount dans le New Jersey le 1er et le 2 août 2018. C'est vraiment une très très belle réussite. Jim Reddell est au piano et au synthétiseur. Dean Johnson à la contrebasse. Tim Horner est à la batterie. Alors que Joe Elock, remarquable vibraphoniste, fait partie aussi de cette formation. Je vous propose d'écouter donc ce thème de John Lennon et Paul McCartney qu'on a déjà écouté tout à l'heure, mais à la manière cette fois-ci de Paul Joss, intitulé Blackbird. Dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were always waiting for this moment to arise. Blackbird sitting in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. Blackbird, fly, blackbird, fly, blackbird, fly, blackbird, fly, in the light of the dark black night. Oh, fail, but if they feel the bell, if they fail, but themselves, then I'll have no faith for fail. But it's something about it, discount, skill, ground, spin, I met the sound of this way. My little sound of this, it was a fair enough, found it up, fair enough, found it up, sit, sit, little sound of this, it was a fair enough, but I don't know. Thank you.
Paul Joss, remarquable skateur et chanteur avec ses musiciens. L'album s'intitule Simple Life. Il avait sa place dans nos coups de cœur. Enregistré au Tradinaï Studio à Paramus dans le New Jersey le 1er août et le 2 août 2018. C'est donc une nouveauté en même temps. C'était Jim Riddle qui était au piano, Dean Johnson était à la contrebasse et Tim Honor était à la batterie, alors que, on l'a entendu abondamment et avec beaucoup de plaisir, Joey Locke était avec son vibraphone, nous interprétant ce Blackbird, deuxième fois que l'on écoute dans l'émission de ce soir, composition de John Lennon et Paul McCartney. Vous aurez reconnu bien sûr cette belle mélodie. Eh bien, il avait sa place, donc je vous le disais, comme deuxième coup de cœur, et on n'a pas fini d'en parler. On aura l'occasion de retrouver la semaine prochaine, comme on l'a retrouvé dans les semaines précédentes. Paul Joss est un nom à retenir. L'album est sorti sous le label Jamming Colors. Il est assez facile à se procurer. Et là, on a vraiment retrouvé un vocaliste de valeur et qui sait scatter, ce qui n'est pas une mince affaire. Paul Joss, on le retrouvera la semaine prochaine. En cette veille de Noël, eh bien, on va retrouver notre ami Stanguet, et cette fois-ci, on va à nouveau le revoir et l'écouter, tout du moins, au Café Montmartre de Copenhague. C'est un lieu qu'il connaissait très bien. Il l'a rendu visite plusieurs fois dans le courant de sa carrière. Là, c'était en 1991, et vous savez, en juin, il arriva, eh bien, quelque chose de terrible puisque Stanguet nous quittait. Mais le 3 mars 1991, il était encore sur la scène, avec ce magnifique coffret intitulé People Time, qui rend compte des duos, avec Kenny Barron, son pianiste préféré vers la fin de sa carrière. Il a beaucoup joué avec Kenny Barron, qui était très respectueux de Stanguet. Les deux hommes s'entendaient magnifiquement. Il va nous annoncer lui-même, d'ailleurs, le thème que l'on va écouter. Il s'intitule I'm OK. Ça nous permet d'entendre sa voix. C'est une composition d'Eddie Del Barrio. Et il va le dire d'ailleurs dans l'annonce. Allez, on retrouve Stanguet en cette veille de Noël au Café Montmartre de Copenhague le 3 mars 1991. We're going to play a ballad that I doubt that you've heard it. It was written by a composer when a quite famous vocalist called him up and said that she was very unhappy and she was going to kill herself. He said, please wait, I'll be right over. And he wrote this for her. And you can't hear the words, but the title is I'm All Right, I'm Okay. It's written by Eddie Del Barrio, and I can't tell you who the singer was. But she's here, alive. Thank you.
Du Café Montmartre à Copenhague en ce 3 mars 1991. C'était le premier set des deux hommes, Kenny Barron au piano et Stan Getz au sax ténor, pour interpréter cette composition d'Eddie Del Barrio, à moquer. Ainsi prend fin ce numéro 473 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 473 en cette veille de Noël. Eh bien, c'était notre ami Manu qui était à la réalisation ce soir avec Alain, votre serviteur derrière le micro. On vous donne rendez-vous, eh bien, pour le 31, la dernière de l'année, mardi prochain, même heure, même antenne. Allez, joyeux Noël à tous et à toutes. Au revoir.